Voilà la gare, juste le sous-sol. Hein. Je ne vais même pas filmer jusqu'où ça va parce que moi-même je ne le vois pas. Donc là ça va à des kilomètres et des kilomètres. Voilà, on va essayer de trouver notre train sans nous perdre. Bon alors voilà la gare. Comment dire, c'est aussi grand qu'un aéroport, hein, si ce n'est plus que certains aéroports. Le troisième étage, c'est comme ça sur tous les étages. Il y a même un security checking, enfin on doit faire passer la valise, etc. Enfin vraiment comme dans un aéroport. C'est immense, il y a un sous-sol, un étage, il y a plein, il y a McDo, KFC, etc. Voilà, donc on va essayer de trouver notre train. En fait, c'est un système de portes. Il y a partout des portes comme ça, avec un numéro, et il y a les heures, etc., des trajets. Bon, après, c'est qu'en Chine, en gros, on va trop. On valide le ticket un peu comme pour rentrer dans le métro, et puis je pense que ça nous fait descendre directement en train. Voilà, là, il y a les gens qui sont en train de rentrer pour leur train. Et en fait, il y a ce genre de porte partout, partout, tout le long, comme ça, voilà, des deux côtés. Et donc voilà, vraiment, comme les aéroports, avec les trains, on a des checkings, etc., les portes d'embarquement. Voilà, ça c'est impressionnant. Bon voilà, du coup, la gare vue d'en haut. En haut, puis voilà, là on a l'étage, donc il y a plein de trucs, hein. Il y a Starbucks, Burger King, McDo, etc., Subway, et puis ben, plein de choses chinoises, du thaï. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, du coup, on a choisi de manger thaï. Donc c'est un espèce de fast food thaï. Donc dans un plat, il y a une soupe, une petite salade, du poulet, du riz. Maman, elle a pris une énorme. On voit pas trop la taille par rapport à elle, c'est énorme. Un énorme bol de noodles. De noodles, crevettes, etc. Voilà, mais tout pour même pas 9 euros. Il n'y a absolument personne. Mais regarde, il n'y a personne, c'est tout vide.
arrivé à l'hôtel et qu'est-ce qu'il y a? Ah bah génial, des crottes de souris sur mon lit. Et puis en plus, on voit pas trop la caméra, mais il y a bien là les petites traces de pattes. Et elles ont l'air assez grosses. Ça me paraît même plus gros que des souris. Ah bon? Génial, après les cafards à Shanghai, souris Hangzhou. Wouhou! Arrivé à Hangzhou, dit Hangzhou pour les Chinois. Donc voilà, c'est à l'ouest de Shanghai. On mettra une petite carte. J'essaierai d'inclure dans les deux une petite carte, même si je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Donc voilà, on est près d'un lac. C'est super joli, mais il fait un petit peu couvert, donc on voit pas grand chose. Mais voilà, on va rester dehors hein, parce que dans la chambre il y a des crottes de souris. Oui, on arrive sur mon lit, crottes et. Mais maman aime bien ça. Elle a dit que ça ne dérangeait pas, donc elle a trouvé son lit tout de suite. Avec les bateaux. Bon, on va visiter la pagode. Alors, il y a au choix escalier ou escalator. Lequel va-t-on choisir? Est-ce qu'on va choisir de travailler les cuisses ou est-ce qu'on va céder à la facilité? Je pense que même moi, je ne sais pas encore. Bon. On se retrouve en haut. Oui, ici, les rochers font de la musique. Puis ils grésillent un petit peu aussi, les rochers. Pas au top de la technologie. Bon, je vous mets un petit peu d'instruction quand même. C'est important de s'instruire. Donc, je vais lentement pour que vous ayez tout le temps de lire. Voilà. Bon, des petites images quand même pour illustrer. Comme pour les enfants. Très très beau. Je suis contente. Elle est contente. Un petit message d'excuse parce que plus je regarde les vidéos, plus je me rends compte que je fais toutes les 5 secondes et c'est assez insupportable en fait. Moi-même, du coup, je peux regarder les vidéos parce que ça m'énerve rien que d'entendre les toutes les 30 secondes. Et maman me dit que je fais ça depuis mes 15 ans, donc que ça ne la choque pas. Mais donc, si vous me connaissez depuis longtemps, vous devez avoir l'habitude d'entendre ce fameux, mais moi j'ai pas l'habitude de l'entendre, donc ça fait un peu bizarre. Donc, je m'excuse. Voilà, c'est la fin de journée. Alors on va clôturer le vlog sur cette magnifique image de nos pieds. Parce qu'on a quand même des crottes de souris dans la chambre, mais bon, c'est pas grave. On a des super belles chlapettes. Donc voilà, au revoir. Maman, tiens, au revoir. Au revoir. Bonne nuit, à demain.